Et bonsoir. Bonsoir. Et salut. Bonsoir à tous. Bienvenue pour un nouveau live jeu de rôle avec Wankil. Cette fois-ci une aventure un peu différente, une aventure post-apo zombie. D'ailleurs, vraie question, pourquoi vous avez décidé de faire ça? Tu vous vois Damien maintenant? Non. Allez Damien, lance-toi. Vous tous. Non, mais parce que j'aime beaucoup le post-apo, j'aime beaucoup le zombie, grand fan de Walking Dead, la BD, je le précise, pas la série de merde. Oh, le puriste. Je me dis que non, mais c'est vrai. Non, mais attends, on va parler de ça. Mais une aventure JDR post-apo zombie, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais fait. À mon avis, ça peut être vraiment cool à faire. En tout cas, ça fait plaisir de revenir après 30 jours de vacances. Ça va, Damien? C'était bien? T'as l'air bien reposé, hein. Mon Damien. T'as vu? J'ai bien dormi, hein. Oh, le beau bébé, il y a même le plaid encore derrière de la sieste. Dans ce jeu de rôle, nous allons incarner des survivants qui vont vivre le début d'une apocalypse zombie. Chacun d'entre nous a des compétences et un inventaire différent. Contrairement aux dés de chance qui ne sont lancés qu'au début de la partie, les dés d'action doivent faire le plus petit chiffre possible pour avoir une chance de réussir. Si le dé fait 20, c'est un échec critique qui aura des conséquences dramatiques. Si le dé fait 1, ce sera une réussite critique qui nous aidera grandement. Le maître du jeu, quant à lui, le narrateur de notre aventure. Il a écrit, mais va aussi improviser ce qui va nous arriver tout au long de celle-ci. Du coup, pour commencer, ce qu'on va faire, comme tout bon début de jeu de rôle, c'est qu'on va voir avec qui on va jouer. Autant les joueurs, vous les connaissez, les personnages un peu moins. Donc on va faire un tour de table de présentation. Et on va commencer par Link, qui joue Brandon. Brandon Burger, qui, comme son nom l'indique pas, est tout petit et tout mince et va pas du tout vous aider pour la bagarre. Je suis plus furtif, je fais un peu de développement informatique. S'il faut hacker des terminaux ou quoi, je vais peut-être pouvoir faire des trucs. Je fais un peu d'escalade aussi, donc voilà, je vais grimper partout, mais à part ça, je sais pas comment je vais vous aider. À côté, on a du coup Terracid qui va jouer Peter McCain. Je suis policier depuis plusieurs années, mais j'ai un gros problème avec l'autorité, donc ça n'aide pas dans mon travail, hein, bien évidemment. Dans cette aventure, je pense que je pourrais vous être utile parce que figurez-vous que j'ai des compétences en graphisme, donc j'imagine qu'avec des zombies, ça pourra nous être utile. Je ne sais absolument pas manier les armes blanches. En revanche, roi de la gâchette. Hugo, qui joue Hugh Junior Cook. Exactement, à pas dire trop vite, sinon ça peut faire Hugh Junior Cook. Je me suis permis. Il est marrant. Ancien fermier reconverti, je me suis occupé de la ferme de mes parents décédés. J'ai décidé de me plonger directement dans la police. J'ai toujours aimé tirer sur des gens, enfin quand ils ont fait bien sûr des méfaits, hein, c'est toujours mieux. Plutôt bon, plutôt beau gosse, assez fin, comme dans la vraie vie finalement, c'est moi, mais en transposé en personnage. Et on termine par Maxime qui va jouer Fabrice McCain également. Bah Fabrice, 24 ans, plutôt beau gosse, t'as dit de rester fidèle, voilà. Donc je suis comme vous me voyez, tout simplement, 1m75. 80 kilos, plutôt bon mental, ami fidèle. J'ai malheureusement quelques problèmes gastriques qui m'obligent parfois à faire des pauses assez régulières aux toilettes, mais j'ai quand même des qualités, notamment en hypnose, où je vais pouvoir, j'espère, vous aider. Quel profil bizarre. Oh, les compétences. Il va faire dormir les zombies là, avec ça. J'ai la chasse, mais je fais de l'hypnose. On va commencer cette partie par vous répartir des inventaires qui vont être très cadrés, puisque vous êtes tous les quatre policiers. Ici, on aura le temps de le découvrir. En plus de votre tenue de policier, ce que vous allez pouvoir noter, c'est que vous avez votre arme de service. Une chacun, c'est un pistolet. Comment décrit pistolet, monsieur? En plus de ça, vous allez chacun pouvoir ajouter un tonfa, un taser. Le taser, c'est une arme particulière puisqu'elle est à usage unique. C'est vraiment inconsommable, jetable, et qui va évidemment donc paralyser votre cible. Et chacun d'entre vous peut noter une paire de menottes. Oh! En dessous de chaque personnage, enfin de chaque caméra, il y a 4 cœurs et 4 éclairs. Comme la dernière fois, elles vont représenter les blessures et les fatigues des personnages. Moins ils en ont, plus les personnages sont mal en point. Dès que n'importe laquelle des deux jauges tombe à zéro, ils vont plus ou moins rapidement dans le coma. Comme la dernière fois, vous avez donc tous une valeur de chance qui va remplacer le destin, qui va donc s'inscrire dans les étoiles sur l'overlay, qui va représenter la chance, en dehors de tous les tests, de votre personnage. Donc, est-ce que votre personnage va trouver beaucoup de loot? Est-ce que votre personnage va avoir des personnages face à lui qui vont être sympathiques? Des opportunités qui vont être agréables? Tout ça, ce sera géré par la chance. Et on va commencer par lancer ça, Link. Point d'exclamation, chance, s'il te plaît. Zéro. Regardez. Attention. Oh, ça commence bien. Terracide, vas-y, point d'exclamation, chance. Allez, un petit 1. Ouais. Oh, elle est belle. Ah putain, la bonne chance. Hugo, je t'en prie. C'est parti. Ah, oh, c'est un 4, c'est pas mal. Pas mal. Et Fabrice, c'est un 5. Voilà. Oh,
Ce sont des très très beaux destins. Oh, je suis le poissard de l'équipe, quoi. Notre aventure, votre partie, commence aujourd'hui, mais vos personnages se connaissent déjà. Nous évoluons en mai 2019, avant le Covid, vous êtes tous les quatre policiers au sein de la police de Détroit. Et il faut savoir que cette métropole s'illustre par son taux de criminalité record. Hugh, tu es lieutenant de police, et donc tu es le supérieur hiérarchique de Brandon, Peter et Fabrice. Votre équipe est habituellement affectée aux homicides. Pardon. J'ai ripé sur mon arme. Il a la gâchette facile, ça arrive. Aïe. Il a pas mis le cran de sûreté. Donc vous êtes habituellement affecté aux homicides, cambriolage, aux trucs du genre, mais aujourd'hui, c'est une toute autre affaire qui va vous agiter. Ce mardi matin, on vous a simplement affecté à une ronde dans l'aéroport de Détroit. C'est pas l'activité la plus passionnante de votre métier, mais au moins, ça a le mérite de pas être fatigant. Ou du moins, c'est ce que vous le pensiez. Un homme a refusé de se soumettre à un contrôle des douanes. Il vient de briser une des vitres qui sépare le secteur des arrivées du secteur public et tente désormais de s'enfuir en courant vers la sortie de l'aéroport. Vous êtes tous les quatre à proximité. Vous avez tous les quatre vu la scène se dérouler sous vos yeux. Qu'est-ce que vous faites, Fabrice ? Je dis à mes collègues qu'il est en train de s'enfuir et qu'il faut qu'on lui court après, de manière urgente. Très bien, Peter. Okay. Il a environ combien de mètres de moi ? Pour l'instant, il est à une dizaine, quinzaine de mètres, mais il part vite. Ok, donc il m'entend. Donc ce que je fais, c'est que je sors mon arme de service, dans je pointe et je tire. Arrête de courir ! Très bien, fais-moi s'il te plaît un test d'éloquence. Ok. Il est nul. Peter, tu menaces l'individu, il t'a peut-être pas vu, donc il t'a probablement même pas vu sortir ton arme. Lui, il court tout droit. Ouais, bah j'ai compris, j'ai pas d'autorité. Hugh. Alors j'ai une idée, il y a mon petit Brandon qui est à côté de moi là. Je sais qu'il est bon en escalade et qu'en fait il va passer un portique tout de suite là, le malfrat. Du coup, je lui dis, tu te mets de l'autre côté du portique, au-dessus, comme ça il n'y a pas de voir. Et dès qu'il va passer, tu lui sautes dessus pour le maintenir à terre. Comme ça, hop, en mode tortue, il pourra rien faire le mec. Et moi derrière, j'arrive, dès qu'il sera dessus et je lui mets le menotte. Interpellation réussie normalement. Brandon, est-ce que tu suis les ordres ? J'étais parti pour taper un giga sprint, mais c'était peut-être un peu plus malin, donc pourquoi pas, on essaye. Tu vas faire un test de dextérité agilité, tu pourras prendre le talent d'escalade. J'espère que t'as beaucoup. Hein. Ça va compter ta capacité à y arriver à temps et ta capacité à te mettre en embuscade au-dessus de lui. Oh, réussite critique là. Let's go. Oh, je vais le marave. Tu traverses tout l'aéroport pour essayer de rejoindre les portiques. Tu te places au-dessus. Vous autres, vous êtes restés là où il a cassé la vie, donc pour l'instant, vous êtes loin. Vous voyez juste de loin la silhouette de Brandon en train de sauter au-dessus du portique, écraser au sol l'individu qui essaye de se débattre. Est-ce que vous le rejoignez très vite pour l'aider à le maîtriser ? Bah moi, j'ai fait comme j'ai dit, je lui mets les menottes pendant qu'il est occupé à... Très bien. Hugh, Brandon, vous avez réussi à interpeller cet individu au sein de l'aéroport. Il avait en ses mains une mallette noire que vous allez devoir transmettre aux démineurs pour vérifier ce qu'il y a dedans. Vous pourrez ensuite l'ouvrir. Vous, en attendant, vous allez passer à l'interrogatoire. Alors, comme le veut la procédure, il n'y en a que deux qui peuvent interroger les suspects qui s'y collent. En éloquence, j'ai 3 en manipulateur. C'est pas mal, ça. En vrai, c'est bien. Attends, en mental, t'as combien ? En mental, j'ai 13. Ah ouais, c'est pas mal. J'ai 13 en mental également, sauf que j'ai une compétence d'hypnose. Qui m'a rendu 5. Ah oui, c'est vrai. Je précise que l'hypnose, ça fonctionne comme l'hypnose réaliste. Faut quand même que la personne soit réceptive et soit ouverte à... Évidemment. On peut lui faire des danses Fortnite. Oh, le mec en interrogatoire. À mon top, tu seras cobaladé, tu vas faire un... Hugh, on les laisse y aller, on est tous les deux complètement débiles. Bah moi de toute façon j'ai 1 en intellect et 0 en éloquence, donc je vais remplir la paperasse et aller me faire foutre hein. De toute façon je délègue là mes petits là qu'ils apprennent le métier. Peter, Fabrice, vous rentrez dans la salle d'interrogatoire avec l'individu. Oh, je le connais. Vous êtes le punisseur. Vous l'installez sur la table, menottez les mains dans le dos toujours, et vous allez commencer à l'interroger. Lui, il se contente pour l'instant de regarder la table. Peter, Fabrice, comment est-ce que vous y prenez pour essayer de lui faire cracher le morceau ? J'ai une petite idée, mais je sais pas si elle est bonne. Vas-y, parle-en-moi. J'aimerais bien arriver à côté de lui de manière très virile et lui mettre une petite tape derrière la tête en lui disant « Alors, mon grand, tu cours moins vite maintenant. » Fais-moi un test de mental éloquence, sans hypnose, bien évidemment. Et c'est critique, tu lui dirais de mal à la tête.
Ah, échec critique. Non. Mais non. C'est une blague. Fabrice, tu rentres, tu tentes de paraître viril et bien que ton personnage puisse l'être peut-être plus que toi, c'est pourtant le charisme de Maxime qui ressort à travers Fabrice, ce qui impressionne pas grand monde et surtout pas l'individu qui te regarde l'air blasé et qui va s'enfermer dans son mutisme en regardant cette table. À partir de maintenant, Fabrice, quoi que tu tentes, ce sera un échec au cours de cet interrogatoire. Tout ce que tu diras sera mal interprété par le personnage, Peter, il va falloir te débrouiller quasiment seul. C'est un gamin. Il boude. Donc là, c'est à moi, ça veut dire. Bon, est-ce qu'on l'a fouillé? Si oui, est-ce qu'on a son identité? Ou il a rien si ce n'est qu'une mallette et il a pas dit un mot Pour l'instant, vous l'avez pas encore fouillé. Vous pouvez le faire ici si vous le souhaitez. Ok. Bon, debout la grande perche, les deux mains sur la table. Fabrice, tu m'occupes de me fouiller ça? Pas de soucis, je fouille au corps. Fabrice, dans ta recherche, dans les poches des vêtements, tu vas notamment trouver des clopes. Espèce d'enfoiré, c'est quoi ça? Non, pardon, excuse-moi, c'est des clopes, j'avais... Non, j'ai... Des chewing-gums. Je suis un peu tendu, ok. Et son porte-monnaie. À l'intérieur du porte-monnaie, il y a ses papiers d'identité. C'est un Américain qui vit normalement à New York et qui s'appelle Charlie Bloss. Il a 31 ans. Belle bête. Ok. Bon, tu te rassois, ma mignonne. Alors, Charlie, qu'est-ce que tu fais dans notre bel état du Wisconsin, je sais plus où on est. Kentucky. Non, Détroit, c'est dans le Michigan. Michigan. Qu'est-ce que tu fais dans notre beau Détroit de Michigan? Fais-moi, s'il te plaît, un test d'éloquence. Alors, si c'est échec, je te donne pas cher de l'interrogatoire. Allez. Peter, ta tentative ne réussit pas pour l'instant. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir poser des questions. Effectivement, chaque question motivera un test. Tu ne pourras pas reposer les questions que tu as déjà posées. Mais à partir du moment où tu feras une réussite, toutes celles que tu poseras après seront gratuites. Donc réfléchis bien à ce que tu poses et à ce que tu risques d'échouer. C'est ton vrai nom, Charlie? Fais-moi ton test. Oh là, on est pas coupé. Il reste silencieux. Sachant que vous pouvez abandonner à l'interrogatoire quand vous le voulez. Hein. Écoute-moi, Charlie, si c'est ton vrai nom, tu sais combien ça coûte une visite d'aéroport? Il y en a pour au moins 10 000 balles, ok? Et tu vas m'expliquer pourquoi tu l'as pété et que t'es en train de t'enfuir? Me dis rien. Bon. Allez, type de merde. Son regard est rivé sur la table, il ne bouge pas, il ne tremble même pas, vous ne semblez pas l'impressionner. Il avait pas une mallette ou un truc comme ça? Oui, juste... Ah, je rentre là pour... Elle est longue cette porte. Regardez ce que j'ai trouvé, ce qu'il avait laissé tomber par terre. 20 euros. 20 balles. 20 balles. Donc s'il veut les récupérer, vous pouvez peut-être vous en servir pour l'acheter un petit peu. Voilà, je vous pose sur la table. Ok, attendez. Le billet s'est transformé en un billet de 50 balles. Oh, oh, prestigisation. Charlie. Ce serait pas à toi ça. Si tu veux le revoir, faudra peut-être nous en dire un peu plus. Comment il agit? Fais-moi ton test. Allez. Aïe aïe aïe. Et là pour l'argent, il va accepter, je pense. Oui. Réussite critique. L'argent, il est cupide, le Charlie. Et bah justement non, il va répondre, j'en ai rien à foutre, il y en a beaucoup plus dans ma mallette. Il y avait quoi dans cette mallette? 25 000, 30 000 peut-être. Pourquoi tu t'enfuyais? Il vient d'où ce fric? J'ai l'habitude de faire des courses pour arrondir les fins de mois. J'ai jamais eu autant, c'est pour ça que j'ai eu peur qu'à la douane il me fasse chier parce que j'avais beaucoup d'argent. Tu te fous de ma gueule? Tu vas briser une vitre à plus de 10 000 balles, je le rappelle, parce que t'as peur d'un contrôle à la douane qui pourrait mal tourner alors que tout est en règle? Je sais pas ce que je transporte, j'avais peur que vous remontiez quelque part et que ça me retombe dessus. Bon, maintenant assez joué. Charlie, tu vas me dire tout ce que tu sais maintenant. Ton avocat, il est encore sur la route, il y a des bouchons. Je te rappelle qu'on est dans le Détroit de Michigan. À l'heure qu'il est là, il arrivera pas à avoir au moins une heure et demie. Donc, ça a 15 ans d'éloquence, mon dieu. J'ai l'habitude de faire des courses. On me demande de prendre des colis et de les déposer ailleurs. On me paye et on me donne les ordres de mission. Moi, tout ce qu'on me dit... C'était quoi? Le colis. Je l'ai pas encore récupéré. Je dois aller en récupérer deux cet après-midi. Un au parc de Belle-Île, l'autre au skatepark de Riverside. Et je dois les déposer tous les deux à la Woodward Fountain ce soir. Bon, là, Charlie, je vais être avec toi. Là, ce que t'as fait, on va t'enfermer. Mais je vais te donner une chance. Tu vas faire exactement ce que tu devais faire. Tu vas être pointé au rendez-vous. Tu vas donner la mallette, récupérer le colis. Mais nous, on sera derrière. Un mot. T'as vu Fabrice? Il est peut-être con, mais c'est un as de la gâchette. Si tu veux pas te retrouver avec une balle dans le cul, tu fais exactement ce qu'on te dit. Ok. D'accord. Bon, bah on va y aller. Bonne journée, les mecs. Allez, donuts, café, c'est parti pour tout le monde. Peter, Fabrice, vous quittez la salle d'interrogatoire, vous rejoignez Brandon et Hugh. On vous apporte la mallette. C'est un très bel attaché case noir. Vous l'ouvrez, désormais qu'il a été étudié et
qui ne effectivement contient pas de bombe. Et à l'intérieur, il y a effectivement beaucoup de billets. Et au milieu des billets, il y a un petit papier. On dirait une carte de visite, sauf qu'elle est blanche des deux côtés, et qu'il y a quelque chose écrit dessus à la machine à écrire. 14h, Parc de Belle-Île. 18h, Riverside Skate Park. Flèche, 22h, Woodward Fountain. Il disait vrai. Bah là, il faut qu'on monte une équipe, hein. Faut qu'on l'équipe de micro, qu'on ait une camionnette, on part en sous-marin. Ouais. Hugh, est-ce que tu appelles le capitaine pour lui proposer l'idée de l'indic? Est-ce que je l'appelle? Il est à côté de moi, non? Le capitaine de la police. Ah, c'est pas central. Moi. Non, toi tu es le lieutenant. Bon, capitaine, on a quelque chose. Du coup, Peter suggeste un petit. Désolé, je parle à moitié anglais. Hein, je suis à Détroit. Il suggestait a good idea to put the microphone on the arsehole and beside him. Know where the indic is and just have the information. And after we go home and eat some donuts like you do all the time. It's okay for you? Non, on n'aura pas le temps de préparer ça. Allez vous-même au parc de Belle-Île. Envoyez-nous le suspect ici. On va voir avec lui ce qu'on pourra faire pour les deux autres rendez-vous, mais dans tous les cas, pour le premier rendez-vous, 14h, vous n'avez pas le temps. C'est déjà 13h, on n'aura pas le temps de l'équiper et de mettre en place des équipes sur place. Est-ce qu'on a encore la possibilité de parler à notre mec qu'on a chopé ou pas? Vous pouvez y retourner si vous voulez, il est toujours là. Parce que du coup, ce serait intéressant de lui demander si son contact a déjà vu son visage. Comme ça, on peut foutre un policier en civil et c'est lui qui va au rendez-vous. Et nous, on est postés tout autour. Quand tu vas lui demander ça, il te dit non, je sais jamais qui sont mes contacts et les colis sont toujours là avant que j'arrive. Étant donné que vous avez quand même une chance globale qui est plutôt haute, je vous donne une information, c'est que vous avez juste comme instruction Parc de Belle-Île. Vu que vous ne connaissez pas les trois, je vais vous montrer. On me dit pas que c'est grand. En fait, toute l'île que vous voyez ici. Oh, donc c'est un énorme parc. Donc je pense que le mieux à faire, c'est aller au parc et juste fouiller sur place et espérer repérer un truc bizarre en vous disant que un connard qui vient de New York était censé pouvoir le trouver aussi. Donc ça doit pas être très difficilement caché, juste suffisamment caché pour que quelqu'un qui y fasse attention le voit, mais pas les autres. Ça marche. Ok. Peut-être enlever Fabrice, little suggestion, la casquette FBI. Sinon, je pense qu'on on est dans la merde. On risque de se faire repérer, j'imagine. Ah, vous pensez que c'est cramé? Ok. Moyen. Vous prenez la route du parc? Ouais, c'est parti. Ouais. Vous arrivez à peu près à l'heure, à peu près à 14h. Bonjour le parc, je suis pas flic. Nous ne sommes pas policiers. Vous allez explorer le parc en groupe ou seul? Ce sera à vous de décider. Ce qui va se passer, c'est que chaque groupe ou chaque personne seule lancera un dé et rencontrera une opportunité. Plus vous êtes séparés, plus vous aurez d'opportunités. Comment est-ce que vous vous répartissez? On fait 2x2? Ouais, je pense qu'on fait des équipes de deux. Hein. Très bien. Qui va avec qui? Moi, je vais aller avec Fabrice, s'il me fait peur. Bah, vu ce qu'il a fait tout à l'heure, je sens pas aller sur ses appuis, je vais aller avec lui. T'as votre honneur, chef. Brandon et Peter, je vous laisse aller sur l'aile sud de l'île, pendant que nous, on va aller de l'autre côté. On va commencer par Hugh et Fabrice. Brandon, Peter, je vais vous enlever et vous muter. Donc, normalement, ils ne nous entendent plus. Vous allez commencer votre exploration du parc. Celui d'entre vous qui a la meilleure chance, c'est-à-dire Maxime, tu vas lancer un dé à 4 faces et chacune de ces options va vous donner une des opportunités que vous pouvez découvrir au sein du parc, sachant que l'une d'entre elles est la bonne. Fabrice, c'est un 1. Quelques minutes après avoir commencé la fouille de votre zone, vous voyez une femme, plutôt âgée, l'air paniquée, qui vient vers vous. Il vous faudra de longues minutes pour comprendre ce qui la panique tant. Son chien a disparu et ce pauvre toutou, si sage et si gentil, c'est impossible qu'il soit parti de lui-même, on l'a donc forcément volé. C'est honteux, vous comprenez, monsieur l'agent? Mais je comprends, madame. Je comprends, madame, mais restez calme. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce qu'il est parti quelque part? Est-ce que quelqu'un l'a pris? Vous avez vu un suspect quelconque? Je l'ai pas vu. J'étais concentré sur mon pique-nique, je l'ai pas vu partir. Fabrice, est-ce qu'on irait pas voir s'il y a un indice, quelque chose qui a laissé l'homme qui l'a dérobé le toutou, peut-être? Lieutenant, il faut y aller, ça ne m'indique rien de bon. Je pense qu'on lui a mis de la cam dans le pétou. Madame, il y a peut-être des risques que votre chien soit drogué actuellement. On va aller là où il y a le pique-nique et on va revenir avec peut-être des indices. Ne bougez pas, restez calme. Vous rejoignez les nappes de pique-nique, en particulier celle que vous a indiqué la personne âgée, et arrivez sur place. Alors vous voyez pas grand-chose, vous voyez la laisse du chien qui est abandonnée ici, vous voyez les 2-3 affaires jouées qu'elle a ramenées. Un seul d'entre vous va pouvoir faire un test de perception survie. Qui se dévoue? Lieutenant, je pense que vous avez les épaules pour. J'espère que je suis mieux que vous, mon petit Fabrice, si vous voyez ce que je veux pas dire. Pas besoin d'être méchant non plus. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. On va voir. Allez, c'est parti. Ouais, c'est une réussite. Bravo, mec. Hugh, d'ici, tu vas sentir une odeur qui n'est pas une odeur de drogue, comme l'a suggéré Maxime, qui n'est pas une odeur de chien, mais qui est une odeur de barbecue.
Et instantanément, tu fais le lien. Il est très probable que ce chien ait été attiré quelque part par d'autres personnes qui font un barbecue dans le parc et qui soient juste en train de grailler des saucisses. Et oui, mais il y a des stands de hot dog partout, Fabrice. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Allons au stand de hot dog le plus proche, peut-être que le toutou s'y trouve. Mais ça fait tout à fait sens, chef. Vous vous éloignez vers la partie la plus ouest du parc, celle qui est le plus dégagée des arbres, là où il y a des grandes plaines où tout le monde s'installe et où tout le monde fait son barbecue. Et effectivement, vous voyez un chien accroché au chapelet de saucisses d'un mec qui essayait désespérément de faire son barbecue. C'est un vieux caniche blanche, franchement pas beau. Ça ressemble à Kiki quand même. Hein. Mais ça pourrait beaucoup ressembler à la description que vous en a fait la vieille. Kiki ! Kiki ! Un byfoot ! Byfoot ! Est-ce qu'il vient ou pas ? Il tourne la tête vers vous, mais son attention est très vite rattrapée vers les saucisses. Fabrice, est-ce qu'on hypnose le chien ou pas ? Je pense qu'il faut lui mettre le compte. On te fait pas faire de test pour ce genre de situation, tu peux réussir sans difficulté. Fabrice, tu t'approches du chien, alors t'as pas forcément l'habitude d'hypnotiser les chiens, mais tu te rapproches, tu... prends sa tête entre tes mains et t'essayes de l'hypnotiser, un peu comme tu fais avec les humains, mais avec le chien. Ça a l'air de le calmer, ça a l'air de détourner son attention. Alors c'est pas, il tombe pas dans les vapes non plus, on n'est pas sur quelque chose de complètement fantastique. Mais il réussit à se calmer suffisamment dans tes bras pour que tu puisses le prendre et le ramener à la vieille, là où vous l'aviez rencontré. Toute cette enquête vous aura pris du temps pendant laquelle, je l'espère pour vous, vos comparses, vos collègues auront eu plus de réussite que vous. Je vais vous muter récupérer les deux autres. Très bien. Yes. Vous êtes tous les deux partis de l'autre côté du parc. Celui d'entre vous qui a le meilleur destin va lancer un dé à quatre faces. Parmi ces quatre opportunités-là, il y a celle qui vous intéresse et trois autres dont vous n'avez que faire. Peter, tu es celui avec le meilleur destin. Tu vas donc pouvoir faire dollar, la lettre D, 4. Vous êtes rendu dans la partie la plus arborée du parc, sous l'ombre des feuillages. Il y a ici beaucoup moins de gens. Seuls quelques couples d'adolescents viennent s'isoler sur les bancs ou derrière les buissons. On ne s'intéressera pas de ce qu'ils font. Vous êtes concentré sur votre mission, cherchant d'un regard inquisiteur tout ce qui pourrait faire tache dans ce décor, jusqu'à ce que vous la voyez. Dans le creux d'un chêne, là où vous attendriez plus à voir un écureuil, vous devinez une petite boîte. Elle n'est pas vraiment cachée, mais elle est suffisamment loin du sentier et en hauteur pour que seuls ceux qui la cherchent la trouvent. On n'a clairement pas le temps pour appeler une équipe de dévineurs. Je pense pas qu'il y ait spécialement de danger. C'était pour que l'autre mec il les récupère. Attends, on sait pas si c'est ça. Oui, mais y a pas spécialement des bombes dans les parcs si c'est autre chose, tu vois. Enfin, on aurait quand même pas de cul, quoi. Va falloir lancer des dés, donc écoute, moi, si ça se trouve, c'est du C4. Moi, franchement, je suis d'un naturel optimiste, c'est dans ma fiche. Moi, je suis d'un coup, t'es petit, tu grimpes partout, va chercher le colis. Hein. J'escalade l'arbre, c'est un peu en hauteur, faut escalader. C'est un peu en hauteur pour toi, il faut escalader, mais je vais pas te faire de test parce qu'on n'est pas dans une situation de stress ou dans une situation urgente et c'est pas spécialement difficile. Tu vas réussir à monter là où Peter aurait juste pu tendre le bras, mais tu as pu réussir à monter jusqu'à cette hauteur-là et récupérer du coup cette petite boîte en carton. Tu l'ouvres ? Je l'ouvre. À l'intérieur, à ta surprise, il n'y a pas grand-chose. C'est presque décevant même. Il y a juste une carte de visite. Pas le même genre que celle que vous aviez dans la mallette. Cette fois-ci, c'est une vraie carte de visite. C'est une carte de visite pour un laboratoire de recherche médicale appartenant à la Care Corp, situé au 111 Waterloo Street, London. Il n'y a pas d'autres informations sur la carte, pas même un numéro de téléphone. Attends, il devait lui donner de l'argent en échange de ça ? Donc ce serait vraiment très très cher pour juste une adresse d'un laboratoire. C'est cher pour une carte. Surtout, enfin, je sais pas si c'est un laboratoire que personne ne connaît ou si c'est un truc, si c'est une adresse publique, je vois pas pourquoi quelqu'un paierait pour ça. Faut qu'on aille à l'endroit où il y a l'adresse sur la carte de visite. Hein. Ouais, mais c'est à Londres. J'ai pas fait gaffe à ça, ça va faire loin. Faut prendre la bagnole et mettre de l'essence parce que là. Y'a un petit souci. Est-ce qu'on peut se renseigner d'une manière ou d'une autre sur ce laboratoire pour voir s'il est connu du public ou si c'est quelque chose de très confidentiel ou. Tu peux chercher sur ton smartphone. On peut faire une recherche. Ouais. Ok, ouais. Vas-y, fais une recherche, ouais. En cherchant Care Corp, 111 Waterloo Street, London, tu vas découvrir une première chose qui va t'étonner, c'est que ce n'est pas à Londres. London est une ville au Canada, à 2 heures de la frontière avec les US. Et effectivement, le 111 Waterloo Street, là-bas, est un laboratoire de recherche médicale au milieu de la ville. D'accord, on a des infos sur leurs activités. Juste un laboratoire de recherche médicale, quoi. Est-ce que vous rejoignez vos deux collègues ? Ouais, parce qu'il faut qu'on voit ce qui s'est passé de leur côté aussi. On peut croiser les infos, ouais. Vous vous rejoignez tous à nouveau. Fabrice a fait une petite pause au stand de hot dog, visiblement du parc. Monsieur. Peter, Fabrice, Doug et Brandon, vous vous rejoignez après avoir, de votre côté, essayé d'explorer le parc et trouver des choses.
Autant vous dire, les gars, on n'a pas arrêté boulot. Une vieillasse à deux doigts de canet qui me dit qu'elle a perdu son dog. Fabrice, je te laisse raconter ce que t'as fait au chien, c'est incroyable. Je me suis approché du tout, j'ai fait un petit chien, il s'appelait Kiki, je l'ai pris comme ça dans la tête, je lui ai dit tes paupières sont lourdes. On l'a ramené à la vieillasse et puis ça a pas donné grand chose quoi. Ok, nous d'autre côté, on a trouvé un colis qui était en attente dans un arbre et dans ce petit colis, on a trouvé une carte de visite qui mène à un laboratoire pharmaceutique au Canada. Donc du coup, on soupçonne que ce serait lié. Après, une info sur un labo, ça peut être hyper précieux comme pas du tout. En fait, il faut le croiser avec d'autres infos pour savoir si c'est pas précieux. En fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas un truc caché, quoi. Si tu le trouves sur Internet, c'est que c'est même pas une... De toute façon, on a un deuxième rendez-vous. Qu'on doit aller à un autre endroit, j'avais zappé ça. C'est à 18h le prochain, là, donc ça filoche le temps. Sachant qu'après, on a l'auto du commissariat de police et j'ai pas envie de rater ça, donc on va y aller tout de suite, les gars, c'est parti. Vous rejoignez facilement le commissariat central de Détroit. Il ne faut qu'une dizaine de minutes avant que la voiture ne soit garée dans le parking souterrain du bâtiment. Vous vous retrouvez tous les quatre debout devant le capitaine de la police de Détroit, Madame Amanda Anderson. Ah, je la déteste. Ah putain, je peux pas la voir. Bonjour les garçons. Vous avez eu une matinée agitée, on m'a dit, vous m'expliquez ? Madame, on a réussi à aider une mamie qui était dans l'impossibilité de trouver une son vieillasse. Chien. On va épargner les détails là-dessus, ça intéresse pas Amanda, mais voilà. On a sauvé la Kiki, vie d'un Kiki, chien. Kiki, le nom du petit chien. Kiki. Fabrice. Va encore nous casser les couilles après, s'il te plaît. Je veux participer au loto sans avoir de malus. Ça marche. Hein. Et ceci dit, on a avancé sur l'enquête. Je dis on parce qu'on est une équipe, hein. Mais je parle au nom de Brandon et Peter, pardon. Ils ont réussi à choper un colis avec une information peut-être sur quelque chose qui pourrait être un grand puzzle. Mais ça, ce sera à nous de le voir sur les prochaines étapes. D'accord, qu'est-ce que vous avez trouvé du coup ? L'adresse d'un labo pharmaceutique au Canada. En l'état, on n'a rien d'autre, mais si on peut aller aux autres rendez-vous, peut-être qu'on aura plus. Et elle vous dit, bon, le rendez-vous, le prochain, c'est 18h. Vous allez le faire sous couverture. Il y en a un d'entre vous qui se fera passer pour... c'est quoi, c'est un skatepark, vous avez dit ? C'est ça, c'est un skatepark. Oui. Pour un skater, et vous observez ce qui se passe. Les trois autres, vous êtes cachés, et s'il y a quelque chose de suspect, vous intervenez. Ensuite, le deuxième rendez-vous de ce soir, vous allez surveiller la voiture, la zone en voiture, et si vous repérez quelqu'un, cette fois-ci, vous le prenez en filature. Évidemment, discrètement. Comme ça, cette fois-ci, on aura et le colis, et la personne, et peut-être même plus en fonction de où vous arriverez. Vous avez des questions ? Un petit bisou avant de partir en mission, s'il vous plaît. Vous en faites toujours trop, lieutenant. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose au commissariat avant de repartir en direction du skatepark ? Oui, alors c'est bien d'en parler, je dois faire un petit arrêt au pit stop. C'est vrai qu'il a des problèmes. Je voudrais mettre personne dans la merde sans mauvais jeu de mots, mais là, faut vraiment que je... Tu peux y aller, sans souci. Pas besoin de jeter un dé pour savoir comment non, ça se passe. Non, ça ira. Capitaine, je suis de retour, voulez-vous un compte-rendu ? Absolument pas. Je viens de déglinguer la céramique, chef, je suis désolé, va falloir faire une note de frais. Absolument pas, Fabrice. Tandis que vous rejoignez votre voiture, la police scientifique vient vous donner les équipements dont vous aurez besoin pour la tenue civile du skater, ce qui inclut donc une tenue de sport, un skateboard et des casques genouillères, coudières. Vous reprenez la route et vous arrivez un peu avant 18h. Il y a une quinzaine de jeunes qui roulent sur des planches ou des rollers. Vous garez la voiture banalisée dans laquelle vous êtes, non loin de l'entrée, puis vous commencez à guetter. Comment comptez-vous faire pour suivre ce qu'il se passe dans le skatepark tout en restant discret et incognito? Et du coup, qui y va en infiltration? Est-ce que parmi vous, quelqu'un est agile et sait faire du skateboard? J'ai un total de 14 si on prend l'agilité. C'est bien ça. Moi je suis 4. Je vais envoyer Brandon faire du skate. Oui. Je sens que j'ai un truc pour le skate. Tu vas pouvoir récupérer à l'arrière de la voiture, le skate, les protections, la tenue de sport qu'on t'a confiée, enlever l'uniforme bien évidemment, et rejoindre le skatepark. Temporairement, je considère que tu n'as plus ton inventaire de policier, jusqu'à nouvel ordre. Ok. Tu essaies de t'incruster dans le skatepark, tu essayes d'être crédible en tant que skater, et donc je vais effectivement te demander un test de dextérité, agilité, s'il te plaît. Oh là, il va faire un pop shove vite direct, moi je le sens. Ça part. Réussite critique, je cale un Superman sur la plus grande des rampes. Oh le grind. Avec un talent que vous ne connaissiez pas, Peter, Hugh et Fabrice, vous voyez Brandon monter sur son skate et faire un 360, ollie, no shot, backflip. Tous les gamins du skatepark viennent le voir pour lui demander « Mais qu'est-ce qu'il fait là? Après tout, on l'a jamais vu alors qu'il est quand même vachement doué. Et puis, c'est quoi votre métier? Et puis, vous faites du skate depuis longtemps, monsieur ?» Tout doux, les gars. J'ai pas l'habitude de venir à ce skatepark. En général, j'ai plus à des trucs un peu plus stylés en haut de la ville. Là, et aujourd'hui, je voulais être tranquille. Voilà. Et ce que je viens de faire, c'est pas particulièrement impressionnant, d'ailleurs. Hein, mais du coup, c'est votre métier? Non.
C'est quoi votre métier? Je vends des pizzas. Il a un micro ou pas? Non, vous n'avez pas de micro. Ah, vous n'entendez pas ces merveilleux dialogues. Vous ne pouvez pas non plus lui conseiller des choses dans l'oreillette. Vous vous contentez de surveiller la zone de loin. D'ailleurs, Peter, Fabrice et Hugh, est-ce que vous êtes plutôt concentré sur les pitreries de Brandon ou est-ce que vous gardez quand même en tête le fait qu'il faille surveiller ceux qui sont présents dans ce skatepark? Non, bah du coup, on tourne et on surveille qui est douche, quoi. Donc on met de côté les skateurs, les jeunes, etc. Et on surveille... De toute façon, ce qui est bien, c'est que Brandon, il attirait vraiment tous les gens qui sont là les d'habitude. Gosses. Donc c'est un truc qui cloche, on va vite le voir. Effectivement, et je vais même pas vous faire de test, pour l'instant, il n'y a personne à part tous ces gamins qui regardent Brandon faire son activité. Alors Brandon, qui à la base est censé être infiltré pour être plus dans l'action, pour pouvoir mieux repérer ce qui se passe, va finir par plutôt être une diversion, jusqu'à ce qu'une légère pluie commence à tomber. La plupart des gamins s'en vont, disent au revoir à Brandon, en espérant bien évidemment le revoir demain, même heure au skatepark. Après quelques minutes, il ne reste plus que vous et un petit groupe de 3 personnes qui vient d'arriver. Après tout, il est désormais 18h. 2 hommes, une femme, environ 20-25 ans. Ils sont assis et n'ont pas de skate. Ils restent comme ça, sous la pluie, et vous devinez sur leur visage la lassitude de devoir rester ici, sous la pluie, à attendre quelque chose. Pour l'instant, ils ne semblent rien poser, ils semblent se contenter d'attendre, regardant autour d'eux. Ils ont bien évidemment leur regard porté sur toi, Brandon, puisque tu es la seule chose qu'ils voient dans ce skatepark, presque étonné de voir encore un mec continuer à faire du skate alors qu'il pleut. Il n'y a rien pour l'instant qui laisse à présager quoi que ce soit. Il est 18h, il n'y a que eux. Il est pile poil l'heure du rendez-vous, ils sont 3. S'ils veulent chacun courir d'un côté, on est dans la mer. Celui qui a le colis, il peut se barrer, on ne saura pas lequel des 3 là. Ouais. Il faut qu'on y aille, hein. Tous d'un coup. On leur tombe dessus, on les casse en deux. Brandon, pour l'instant, tu es tout seul à l'intérieur, tu les as clairement remarqués. Tu ne peux pas communiquer avec les autres. Qu'est-ce que tu fais de ton propre chef? Je fais mon truc de mon côté, je continue de sans être trop loin d'eux, mais je les regarde pas beaucoup, je fais mon truc, j'essaie de rester sous ma couverture. Je suis un atout caché un peu à côté, quoi. Très bien. Du coup on y va, les gars, on va les voir. Ok, ouais. Let's go. Allez, c'est parti. Hugh, Peter, Fabrice, donc je vous rappelle que vous n'êtes pas en uniforme, donc tant que vous ne vous serez pas déclaré policier, ce sera pas forcément évident pour eux. Vous décidez de rejoindre les 3 jeunes qui sont pour l'instant installés sur un banc. Lorsque vous vous approchez, vous les voyez, vous regardez, vous surveillez, justement cherchant un peu un eye contact. Donc vous êtes effectivement parti de la voiture qui était ici, les jeunes dont je parle sont là, et ici c'est le pion de Link. Moi je fais des gigatrix. Il bouge son pion, hein. Qu'est-ce que vous faites? Un ici, un là, un derrière. On a le skater qui est en face et d'un coup on met les brassards. Je sais pas comment ça se passe aux États-Unis en fait. Par sur cette logique là, ça me va. Mais voilà, on met les brassards et interpellation, contrôle d'identité. Vous essayez de les encercler à leur insu pour s'assurer de la réussite de cette action. Vous allez chacun faire un test de dextérité furtivité, un seul échec et cette manœuvre foire. Et nous commençons dans l'ordre du destin par Fabrice. Allez mon gars. Ah voilà, vous êtes en train d'essayer de vous mettre en position quand Fabrice, qui est celui qui arrive le plus visible, parce qu'il se contente de suivre le chemin, un des jeunes t'interpelle, Fabrice, et te fait « Et t'es qui ?» Bonjour, je suis Fabrice, je suis un parfait citoyen, civil. Hugh, Peter, est-ce que vous voulez réagir à ça, avant que ça dégénère? Ils nous ont pas vus, nous, si? Ils sont sur leur garde, donc ils ont vu que vous êtes rentrés plus ou moins à 3 en même temps dans le skatepark. Bon bah là c'est maintenant, je pense qu'il faut... c'est un contrôle de police. Vous allez nous dire tout de suite ce que vous faites ici dans ce skatepark. Et immédiatement, dès que vous dites police, les 3 s'agitent. La femme semble commencer à se préparer à courir, les 2 hommes semblent commencer à se préparer à vouloir vous agresser. On va commencer à mettre en place des vraies actions en tour de table. Comme d'habitude, on va commencer du coup par Brandon qui n'a pas encore agi. Moi je pensais plus, s'il y en a un qui s'échappe, je peux le poursuivre en skate. Vu que je suis un pro skater maintenant. Donc je m'approche un peu de façon à être prêt si quelqu'un s'échappe. Très bien. Fabrice, il y a la fille qui commence à essayer de fuir, les 2 autres qui vont commencer à aller vers toi et vers Peter pour aller au corps à corps. Ok, je vais dire, ah les mecs, je déteste faire ça, mais je vais être obligé de sortir le brolic. Si vous restez calme, ça va bien se passer. Oh, j'aimerais bien un échec critique encore. Mais je vais péter les plombs. 2 tests d'éloquence, 2 échecs critiques, il y a beaucoup de questions à se poser. Fabrice, tu essayes de menacer un des individus, celui qui est le plus proche de toi. Il te pousse sur l'épaule, ton pistolet tombe quelques mètres plus loin, et il te dit, et tu vas faire quoi avec ça, Peter?
Voilà, j'ai plus le choix. Oh, tout le monde se calme maintenant, ok? Je veux voir toutes les mains en l'air. Fabrice, ça va? Ça va pas, je me suis chié dessus, chef. C'est un échec. Peter, de la même façon que pour Fabrice, l'individu qui est face à toi essaye de te donner un coup. Toi, tu ne vas pas lâcher ton arme, mais il n'est pas impressionné par toi du tout. Youg. Écoute, vu que j'ai un passif de fermier, moi j'ai l'habitude de prendre le taureau par les cornes, et en l'occurrence, je vais prendre le problème directement par la racine. Je vais m'approcher par ici. Hop, hop, hop. Ouais. Et je vais essayer de tenir les deux personnes devant moi avec chacune de mes mains pour les maintenir et les foutre au sol. Faire un Wamashigiri, là, je sais plus comment ça s'appelle. Hop là, directement. Hop, je vous tourne en deux, là, comme des écrevisses. Ça parle plus, ça va directement dans la mayonnaise. Fais-moi, s'il te plaît, un test de constitution force. Je te donne un bonus de plus 2 pour la belle narration que tu nous as fait. Alors, du coup, ça me fait un petit 10. Ah ouais, ça passe pas. Luke, tu vas essayer de les maintenir, ils vont se débattre, la femme va se laisser tomber dans le bol pour essayer de commencer à s'enfuir, tandis que l'homme, lui, était concentré sur Fabrice, il va juste peut-être se retourner et être distrait, mais rien de plus. Brandon. Alors moi, c'est que j'aurais aimé qu'ils essaient de percevoir lequel des trois avait potentiellement le colis ou quelque chose sur eux, en fait. Mais du coup, là, on le sait pas. Du coup, non. Si je dois poursuivre quelqu'un, je vais peut-être poursuivre quelqu'un qui a rien. Mais vu que la meuf, elle est en train de partir... Je crois que j'ai été obligé de faire un 360 sur le bowl et lui tomber dessus. Tu tentes ça? Tu tentes un percutage à grands coups de... Je passe sur le bowl et je l'écrase, la meuf. Je l'écrase. Ouais, s'il te plaît, un test de dextérité agilité, s'il te plaît. C'est une réussite. Bon. Okay. Je l'écrase. Allez. Brandon, tu fais ton demi-tour avec ton siège et tu fonces à pleine vitesse. Tu bouscules la femme qui tombe au sol. Et je de sous ses vêtements possible. Tombe... une petite boîte en carton qui n'est pas sans trapper quelque chose, et ouais. Surtout un couteau qui est à portée de main pour elle. Fabrice. Je me relève et je donne un gros coup de pied dans l'arme. Et je me saisis ensuite de la boîte qui vient de tomber sur le sol. Dans tous les cas, on va déjà commencer à vérifier si le mec qui était face à toi te laisse faire. Oui, c'est une réussite. Fabrice, avec précipitation, tu vas surprendre la personne qui est devant toi, tu vas la contourner, tu vas te laisser tomber dans le bol et foutre un coup de pied sur l'arme pour essayer de l'éloigner de la personne. Tu n'auras pas le temps de saisir la boîte, mais tu es arrivé à proximité. C'est au tour de la jeune femme qui va essayer de taper à côté d'elle sans réussir à évidemment récupérer son arme qui est tombée trop loin. Elle va récupérer la boîte et essayer de se relever. C'est donc moi qui vais faire un test. Parfait ça. Ouh, en se relevant. Sa mère. Mamacita. En se relevant, la jeune femme va trébucher dans la précipitation. Sa tête va heurter violemment le rebord du bowl. Elle va tomber inconsciente. Cet ennemi n'est plus à considérer pour ce combat. Il ne se relèvera pas avant la fin. Peter. Moi, je me suis un peu fait humilier par le grand gaillard. Je me recule d'un pas. Je redégaine, parce que là, faut pas déconner. Everybody, don't move. Stay calm. Tu vas me refaire un test d'éloquence ? Et ça passe. Cette fois-ci, l'individu va reculer. Il ne va pas t'agresser, mais il n'est pas non plus forcément impressionné par ton arme. Il va juste reculer. Je vais faire un test, puisqu'il va tenter de commencer à s'enfuir. Si mon test est réussi, il part et tu me diras comment tu réagis. Mais ça échouera. Si je rate mon test, tu réussiras ton action de contre, quelle qu'elle soit. Oh, la poisse. Vous comprenez pourquoi je suis pas joueur ? C'est fantastique. Hein. Ah, quand ça t'arrive à toi, c'est plus marrant comme ça. Hein. De la même façon que la personne dans le bowl, il va tomber le dos en premier, la tête derrière, et lui aussi sera sonné au sol dans le bowl. La dernière personne qui reste va commencer à prendre peur, et elle aussi va avoir un mouvement de recul, et va clairement les abandonner. Youg, c'est ton tour, on a perdu ta caméra. Ouais, c'est la dashcam. La dashcam va bien, t'inquiète. Écoutez, moi je sais que là j'ai pas de chance avec les paroles, je vais peut-être passer aux actes. Je sors mon tonfa, je le fais tourner comme ça, là, autour comme ça, là, comme si c'était un... Très bien. Regarde ton copain là derrière toi, regarde ta copine derrière, tu vois ce qui peut t'arriver. Et si tu veux pas que ça t'arrive directement en pleine face, il s'agirait peut-être de rester avec nous, on a des questions à te poser. Fais-moi s'il te plaît un test d'éloquence. C'est une réussite. Alors, l'individu se calme, il arrête de bouger, il va lever les mains. La situation va donc se calmer dans ce skatepark. Vous avez réussi à récupérer la petite boîte et à interpeller l'intégralité de l'équipe. À l'intérieur de la boîte, vous allez découvrir une multitude de petits cachets d'un rose léger en forme de cœur. Nul doute que vous venez de mettre la main sur de la drogue, mais... ce qui vous surprend, Youg particulièrement, puisque tu es un ancien policier, tu as été chez les stupes avant, c'est que tu ne la connais pas. C'est une drogue
inconnu. J'en ai fumé, hein. J'en ai perquisitionné, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Vous appelez des renforts pour qu'ils emmènent les personnes que vous venez d'arrêter au commissariat. Ils emmèneront avec vous le colis pour que cette drogue-là soit analysée. Il va être temps que vous rejoigniez le prochain point de rendez-vous. Par contre, Fabrice, faut plus parler, hein. C'est... Vous avez repris votre voiture et c'est avec quelques minutes d'avance que vous arrivez à Woodward Fountain. Nous sommes un mardi en pleine semaine et sachant qu'il pleut, ça ne vous étonne pas de ne pas voir grand monde à reprendre la place. C'est tant mieux, ce sera plus simple pour vous. À quoi est-ce que vous faites attention? Qu'est-ce que vous cherchez? Des gens qui se cachent le visage. Qui surveillent autour d'eux. Le rendez-vous est à 20h, c'est ça? 22h. Et là, il est quelle heure? 22h moins 10. Ok, alors, il se fait tard. Les gars, surveillez, je reviens parce que je vois qu'il y a une petite boutique là. Oui, bonjour. Combien? 1,50$ allez-y. Merci beaucoup. Alors, les gars. Nickel. Tandis que vous surveillez la fontaine, vous recevez un appel du central. Les premiers résultats de l'analyse du colis sont arrivés. A priori, la drogue est inconnue des services internationaux. Vous êtes les premiers policiers au monde à mettre la main dessus. Au vu de sa composition chimique, les principaux effets sont hallucinogènes. Il est probable que ceux qui l'ont consommé soient particulièrement agressifs. Vraisemblablement, il faut réduire les cachets en poudre et les inhaler, comme la cocaïne. C'est assez volatile, donc ça risque d'être même transmissible. Enfin, un effet secondaire notable, la drogue détériore très rapidement les tissus, respiratoires notamment. Ceux qui la prennent pourraient en mourir après une seule année de consommation régulière. Ouais. On a du matos qui est puissant, on a du... Sur une sacrée affaire. Ça a l'air d'être de la bonne celle-là. Je propose qu'on la goûte. Un véhicule s'arrête au milieu de la route. Le passager, dont vous ne devinez que l'imposante carrure, descend et fonce tête baissée vers la fontaine, se protégeant comme il peut de la pluie. Il semble chercher quelque chose auprès de la fontaine et retourne vers la voiture, bredouille. À peine la portière est-elle fermée que le conducteur démarre rapidement, avec une précipitation bien suspecte. Vous n'avez aucun doute, c'est eux qu'il va falloir prendre en filature. Et pour la filature, nous allons jouer à un petit jeu. Vous arrivez par la flèche et vous allez devoir suivre la voiture au sein de ce labyrinthe, de ce dédale. Je vais vous lire sans pause toutes les instructions. Quand j'aurai terminé, je vous donnerai vos pions. Vous les placerez où vous pensez être sur la carte. Si un seul d'entre vous a bon, l'énigme est réussie et vous avez réussi à suivre la voiture. Si vous avez tous faux, vous n'avez pas réussi à suivre la voiture. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Ouais. Très bien. Deuxième à droite, puis deuxième à gauche. Tout au bout, à droite. Septième à gauche. Deuxième à droite. Deuxième à droite. Deuxième à droite. Deuxième à droite. Deuxième à gauche. Troisième à gauche. À droite. Si vous continuez tout droit, où est-ce que vous arrivez? Et je vous laisse poser vos pions. J'ai été baisé, hein. J'étais brouillé comme personne. Alors, qu'est-ce que ça donne? D'accord. Peter n'est pas du tout parti. Les gars, vous m'avez oublié, j'étais en train de manger Tu nous emmerdes. Aucun d'entre vous n'est au bon endroit, malheureusement. Hugh en est le plus proche. Avec les indications, vous arriviez ici. Okay. Oh bah oui. C'est pareil, c'est la rue. Moi je pensais à la rue, hein, monsieur. Non, parce que justement j'ai dit si vous continuez tout droit, où est-ce que vous arrivez? Putain. Je ne vais pas valider, mais tu as plutôt bien réussi à suivre. Ceci étant, il s'est enfui dans le dédale des rues de Détroit et vous ne le retrouverez sans doute jamais. Vous appelez le central, comme le veut la procédure, pour lancer un avis de recherche. En retour, il vous donne un ordre de patrouiller dans le quartier dont vous êtes, au cas où. Après une dizaine de minutes à simplement tourner en rond dans le quartier, vous allez recevoir un appel du central, un appel d'urgence. Quelque part dans les anciens quartiers industriels de Détroit, dont vous n'êtes pas loin, les clients d'un nightclub installé dans un ancien navire se sont enfermés dans la zone VIP. Les autres clients entendent des cris de panique et de douleur à l'intérieur, et ils n'arrivent pas à forcer la porte. J'ai l'honneur de vous présenter cette grande et magnifique affiche, The Wanked Dead. Est disponible dès maintenant à la vente sur le Wanked Shop. Elle est réalisée par Benjamin Giletti qui s'occupe d'illustrer tous les personnages de notre aventure. En plus d'avoir la plus stylée de toutes les affiches, vous aidez à financer le maître du jeu, l'illustrateur, le graphiste, la voix off, et bien sûr, le monteur. Cliquez sur le lien dans la description pour acheter l'affiche officielle The Wanked Dead.